gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. C'est la partie 2 de Moto Trial, bah, cette fois-ci contre le vélo. La première vidéo, c'était la semaine dernière, j'avais essayé la Moto Trial. Et aujourd'hui, bah, ça va être un défi. Alex, plusieurs fois champion de Moto Trial, contre mon VTT Trial. Okay. Allez. L'idée, c'est de se faire des petits défis, donc de franchissement, de maniabilité, de vitesse, on verra. Donc qui est le meilleur, quoi, le vélo ou la moto? Le but, c'est que moi, je te trouve des passages qui te mettent en difficulté et toi, à l'inverse. Sachant qu'on est chez lui, près de Aix-en-Provence, donc il connaît le terrain, il part déjà avec un avantage, mais. Ah, mais ça, il faut pas le dire. Ah, il fallait pas le dire, mais c'est pas grave. Et qui m'a bien fumé aussi toute la matinée avec la moto. Fallait le dire aussi, donc je pars avec deux handicaps. Bah vas-y, vu que c'est chez toi, je te laisse un petit truc sympa pour s'échauffer. Allez. Un petit défi. Un petit défi pour s'échauffer, on va faire un défi roue arrière. Je propose d'entrer ici. T'as roue arrière, roue arrière, roue arrière. Allez, je commence. Je précise bien sûr que les règles du VTT trial et de la moto trial, c'est de jamais tomber et c'est de jamais poser le pied au sol. En gros, on a le droit que aux roues. Et c'est tout. Allez, let's go. Hop, hop. Ça va, c'était échauffement ça. Peut-être pas pour lui, mais. Allez, défi numéro 1 partout. Nickel. Bon, Alex, j'en ai un. On va passer à du transfert. Cette plateforme-là jusqu'à là-bas. Faire demi-tour et revenir. L'objectif, c'est de le faire une fois où il faut toucher la roue avant en premier et une fois où il faut le faire sur la roue arrière. Choisis comme tu veux. Ça va, c'est pas trop loin. Il doit y avoir 2 mètres. Sauf qu'il y a un arbre là qui embête, mais ça devrait le faire. Et bien, c'est celui qui propose le défi qui après. Là, pour l'avant, c'est validé. Et l'arrière, c'est validé. L'arrière, c'est validé. Je vais faire l'inverse, je vais faire arrière en premier. Hop. Et oula, avant. Hop. Papa, papa, papa. Bon, 2-2. 2-2. Là, j'en ai un plus dur maintenant pour toi de proposer. Ok, vas-y. Du big franchissement. Ah, ouais. J'aime les marches big un peu genre bien carré. Ouais, ouais, carré. Angle droit un peu haute. Ouais. Puis deux coups. Vas-y. Allez, troisième défi. Donc voilà, il est là le défi. Regarde-moi cette belle carré. 1m50, un truc comme ça déjà. Beau bébé. Ouais, pas mal. Départ un peu en descente. Comme on aime, ta patine et tout. Du coup, je commence. Allez. Là, on commence à attaquer le vrai là. Ah, il l'a fait. Là, faut commencer à mettre la pression là. Voilà, moi, j'ai fait une technique qu'on appelle le deux coups. Je viens plaquer l'arrière et repartir. Mais je suis pas sûr qu'il va faire pareil. Hein. Normalement, en moto, c'est direct. Donc moi, déjà, pour commencer, je suis en troisième vitesse. Et un petit coup ça a patiné, hein, on n'était pas sûr. Hein. Bon bah voilà, 3-3. 3-3. On va trouver plus gros du coup. Hein. Là-bas c'est plus gros, ok. L'idée c'est de partir de cette buse là et d'arriver là. Attends, là. Attends, il se passe des choses derrière, regarde, regarde, regarde. Oh, c'est ma doublure, il y a ma doublure. Il a planté le oh. Hey, champion. On avait dit tranquille l'apéro. Là je pars sans élan et j'en vois, enfin, de toute façon je te dis pas, tu verras. Moi par contre je vais prendre un peu d'élan parce qu'il y a certains obstacles, pour moi c'est plus facile de partir arrêté. Là un coup comme ça, quoi. Chacun sa technique. Mais il m'a dit qu'il était un peu en pression sur ce passage là, ça me plaît là. C'est là où on va voir la difficulté. Yes. Bon, mon vélo il est où du coup? Comment ça a forcé là? Oh, comme ça explose là sur la boule. Et bah 4-4. 4-4. Ok, faut plus dur là maintenant. Là c'est à moi de proposer là. Allez. Du franchissement, mais avec une marche négative. Départ un petit peu en descente, 1m60. Bon, comment, plus haut que tout à l'heure. Un peu plus haut que tout à l'heure, sauf qu'elle est creuse dessous. Voilà, ma technique, elle va commencer à être pas terrible. À toi de jouer, hein. Ah, la première échec. J'ai mis l'arrière trop bas. Aïe, 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 aïe. Va-t-il faire la différence? Là, je vais mettre toutes les chances de mon côté, hein, les amis. Parce qu'en fait, rien que ça, rien que ces petites pierres, hein, en fait, ça fait patiner la roue arrière et je perds énormément de puissance. Bien joué. 4-5. Après on avance. Enfin, juste pour l'honneur, je leur fais une fois. Ouais. Oh. Nickel. Un point de retard. Alors on va trouver plus dur. Attends. Parce que là, faut que je me venge. On va trouver un truc compliqué. J'ai mon défi. Celui-là, il va être compliqué pour toi, je pense. Alors, arrivez là, sur cette buse. Sautez là. Sautez là où il y a Alex. Là. Après, il faut arriver directement là-bas. T'as le droit à celui-là. Ça, c'est interdit. Oh, là, tu poses une colle. Hein. Là, tu veux le récupérer ton point. Et après, attends, c'est pas fini. Et après, on va là. Et après, c'est fini là-bas. Et en plus, il commence. Non, là où il va avoir du mal, je pense, c'est ici. Parce qu'il va falloir sauter sur la roue arrière, tourner avec la moto, ce qui est déjà très chaud, et envoyer un énorme saut. C'est dur pour moi, je sais pas toi, mais en fait, c'est un peu en descente. Mais déjà, c'est une arête. J'arrive à tourner sur une arête. Comme c'est en descente, et là, il faut partir. Ça t'envoie n'importe comment. Ouais. Bon, bah, j'ai pas le choix. Allez. J'ai un point à récupérer, les gars. Ça repart de là.
Ah ouais, c'était presque, hein, mais... Et ouais, c'est là où c'est super dur, en fait. C'est qu'un truc, il faut aller prendre de la hauteur et c'est pas évident. Est-ce que je vais pouvoir avoir mon point sur ça? Là. Il revient dans la compétition. On est à égalité du coup 5-5. Mais j'ai quand même envie de te laisser une deuxième chance, Alex. Pour l'honneur. Deuxième chance? On met mon point en jeu? Non, quand même pas. Pour l'honneur. Juste l'honneur. Juste l'honneur. Pour l'honneur. On lui a laissé une chance, hein, mais quand on reviendra. Ça veut pas. On reviendra, on veut voir un clip là sur tes réseaux là. Ils veulent passer. Ah, c'est chaud avec la moto, ouais. Hein, de se tourner comme ça et tout. Et ce qui est dur, c'est ça, ouais, descend, c'est dur. C'est le travers. Bon bah, à toi du coup. Mon prochain défi sur Instagram, je vous le mettrai dans quelques semaines. À toi, venge-toi, tu peux. Tu peux me venger, ouais. Allez, moi ça sera plus derrière là-bas. Nouveau défi. La double step. Partir là, monter la première, là. Ouais, ça va, ça va. Donc, là, je vais directement sur celle-là, sachant que t'as un espace de 1m20, quoi. 1m20. Tu rentres la moto là-dedans, non? Ouais, je vais essayer. Celle-là, ça va. Ok. Là, c'est pas la même. Voilà. C'est un nouveau point, 6 points du coup là. Là, je sens qu'il a la pression. Et oui, j'ai la pression parce qu'en plus pour moi, ça on le voit pas là sur la vidéo, mais en fait c'est super gras, la terre elle est hyper... Le bloc, il est les blocs ils sont secs. Non mais pas d'excuse, c'est toi qui as choisi. Cette terre humide m'embête parce qu'en fait quand le pneu il va partir, il va patiner, il va se graisser, là ça va patiner et il faut arriver à relancer derrière. Pas évident. T'avais pas pensé à ça, hein. Non, 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 vous l'avez peut-être vu, il a mis le pied gauche, il s'est aidé de son pied gauche. On fait comment là? Je sais pas. T'as gagné le point. Ah ok, j'allais te dire, allez, recommence, mais bon, ok, ça va. 6 à 5, en plus c'était son défi. Alors moi j'en ai un très gros, viens voir, il est juste à côté, ça m'a donné envie. On va augmenter le niveau là maintenant. Moi, j'aimerais cette marche là. Elle fait presque ma taille. Allez, je fais 1m78, 70 à peu près. Mais en fait la difficulté de celle-là, c'est qu'elle glisse énormément. Tu vois, ça c'est hyper lisse, ça adhère pas du tout. C'est pour ça que j'ai choisi. J'ai bien compris. Ça glisse. Mais bon, moi j'ai mon petit secret, tu verras. Je vais utiliser une technique différente de la tienne, ça c'est sûr. On lui autorise un tremplin. Vu qu'on n'aura pas la même technique, il va se servir d'une pierre pour catapulter. Parce que viens voir comment c'est derrière. Ici, il n'y a rien là, c'est pas une vraie marche carrée, tu vois. Là, il y a vraiment rien. Ça descend derrière. Faut qu'il arrive à rester roue arrière. Moi, vous verrez, ma technique, elle est un petit peu différente. Ah, il s'est trouvé un truc. Le maçon, on l'appelle. J'autorise l'appui du sabot. Le sabot, c'est ça, regarde. Il aura le droit de se poser là-dessus. Ça c'est validé. Bon. Bon bah allez. Allez. Allez, on s'en sort, ça sort de là. Allez. Allez. Bon bah mon point est toujours là. Hein. 7-6, hein. À toi, hein, faut trouver plus gros encore. Hein. Allez, petite zone de vitesse. On part ici. On saute là-bas. Tac. Là, un peu de précision, faut sauter mille poils sur la bordure. Et là, il y a la largeur du pneu là. Ouais, là il y a que le pneu. Attends, toi t'as des pneus, ils sont moins larges que les miens. Hein. Ouais. Après on va là. Après on va là-bas comme tout à l'heure, donc ça on y arrive. De là, on descend là, on va sur la buse ici, on tourne sur la buse, on monte là-haut, on redescend. Après on prend ce plan incliné, là ici là. Et après il y a le même que tout à l'heure, seulement il faut pas sauter mais descendre, remonter là. Le chrono il s'arrêtera au moment où on aura posé les deux roues au sol derrière. C'est toi qui commence. Il nous faut un chrono. Et dans le cas où il y en a un qui met un pied? Celui qui mettra zéro pied, il aura gagné tout le temps. On est tous les deux à un pied par exemple, bah ce sera au chrono aussi. D'accord. Le but c'est le trial. Pas de pied, c'est le meilleur. Allez, impeccable. Et voilà, comme les règles officielles. Good luck. À moi d'ouvrir. 3, 2, 1, go. Allez. C'est là où il va perdre du temps. Ah ouais. Ah ouais, vite, vite, tu vois. Ok. Garde, c'est bon. Bravo. 25 secondes. Ah non, là, c'est interdit, ça. 30 secondes. Ouh. Pas trop vite, pas trop vite. Oh. Yep. 36 secondes. 36! Et il est allé vite, hein! Pensais là que t'allais traîner un peu plus. J'ai un peu traîné quand même. Ouais, mais bon. La descente, franchement, ouais. T'es allé vite. Et bah, il y a du challenge. Ouais, tu peux avoir un moteur, hein, mais. Juste là, c'est vrai qu'avec la moto, tu traînes un petit peu, mais par contre, bois, surtout cette montée là, t'es allé super vite. Donc, ça va être certainement serré. 3, 2, 1, top départ! Oh là là, comme il gagne du temps là. C'est fini. Ouais. Il a pas le moteur. Ouais, propre. Ouais. Allez, allez.
allez, 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 on donne tout, on s'applique. Allez. 44-63. Ah non. Du coup, t'as un point d'avance. J'ai un point d'avance. Ouh. Et il nous reste donc que deux défis. Tout à l'heure, je t'ai vu rater celle-là. Tu vois, encore cette trace. Ouais. Du coup, je me dis que potentiellement, tu peux la rater. Donc, on va se défier sur celle-là. Le seul truc, je m'autorise, tu l'as fait tout à l'heure, je me permets, c'est de me mettre une petite cale ici quand même. Là, qui va m'aider. Toi, t'auras pas le droit. Moi, j'ai pas le droit. C'est le bonus. On avait le droit à un bonus chacun. Tu l'as utilisé tout à l'heure, du coup, c'est à moi. Tu vois, ouais. Et en fait, ce qui est dur, c'est que ça fait vertical et après un plan incliné en fait. Ouais, ouais, là, avec la moto, c'est compliqué. Et moi, le problème avec la moto, c'est que ça, ça glisse énormément et je viens buter la roue avant derrière. Ouais, mais c'est pas mon problème. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Là, là, faut que je gagne des points maintenant. Là, il y a plus de ça glisse. C'est la compète. Ouais, ouais. Vas-y, bah montre-nous. À moi. Ah, ouais, c'est parti. J'y vais, j'envoie. Bon voilà, c'est passé. J'y crois pas. Le mec, ça y est. Allez, on va dire que c'est le moteur maintenant. Trop compète. Bah vas-y, j'essaye une fois aussi. Allez, à toi. Wouh. Parfait. Voilà. Je suis content, il est gros quand même. Du coup, t'as toujours un point d'avance. Donc, pour l'égalité. En plus, c'est à toi de proposer le défi. J'ai vraiment envie de te proposer un truc super fun. Bon, Aurel, je vais te proposer mon dernier défi. Un défi un peu particulier. Course de chien ? Dressage de chien ? Mais non. Par contre, dans le défi, il va y avoir moitié moto, moitié vélo. À 100% vélo, ça m'aurait avantagé, mais. Non, mais là. Ah, on fera peut-être une vidéo où on aurait pu mixer. Non, t'as pas vu sur un vélo. Ah, j'ai tout. On verra après le défi. Ouais, okay, après, okay. Ça, ce sera le bonus. Mais là, moitié-moitié, 50-50, l'arme ultime. Ah ouais. Bam ! La TRS Kid électrique. T'as pas la même pour les hommes ? Là, le but, c'est qu'en fait, on va tracer la zone et on va faire la zone tous les deux avec cette machine. Ça ressemble quand même plus à une moto qu'à un vélo. Hein. Ah, mais regarde, suspension de vélo, frein comme le vélo. Ah oui, là au moins il n'y a pas le frein là. On n'est pas perdu tous les deux. D'accord, ça me va. Une petite zone de vitesse. Une zone de vitesse. Allez, vas-y. Allez. Dernier défi, faut que je rattrape mon dernier point. Je sais pas si je suis avantagé là, mais. C'est nerveux quand même. Bon, l'avantage que j'ai, c'est qu'il fait 2 mètres de haut et moi je suis un peu plus petit donc. Ok, il est chaud. Allez. Du coup, il nous a tracé la zone finale. Potentiellement, je peux venir à égalité. Donc, finale, on a tracé un parcours. Donc, le but, on rentre dans les cônes orange. On va passer, on va franchir toutes les portes rouges. Donc, c'est une zone de vitesse avec une succession d'obstacles. On rentre là, on part à fond. On prend cet obstacle sur la buse. Là, on saute à droite. On prend les deux blocs. On fait le tour de l'arbre. Là, virage dans cette porte. Là, la marche. Là, après, de là. Là, ça roule au-dessus. Descente. Là, petit saut. Jump. Virage. La buse. Ça enfuit derrière. Ok. T'es chaud, Aurel ? Bah ouais. Mais pour le coup, j'ai essayé. Ça ressemble plus à une moto. Je pense que t'es avantagé, mais je vais tout donner. Allez, 3, 2, 1, top départ. Allez, go. C'est un girafe. J'ai inversé les freins, ça a patiné et tout, je savais pas quoi faire. T'es quand même avantagé. C'est jouable hein. Attends, t'as fait les 26 et t'as pas chômé hein. Ouais, j'ai traîné, j'ai traîné. Gagner 6 secondes là. Ouais, c'est jouable hein. On lève le défi. Allez. 3, 2, 1, go. Regarde, 19,99. Ah là là, le salaud. Waouh. Il fallait faire moins de 20 secondes. Et bah voilà. Ta-ta-ta-ta. Le winner, il est là. Bien joué. Et bah écoute, c'était une bonne deuxième vidéo. Si vous avez raté la première où j'essaye la moto trial, ça sera juste ici, la petite vignette. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner, à liker. Et vous pouvez suivre Alex sur tous les réseaux. Alex Ferrer, c'est écrit dans la description. Bon ride, ciao les gars. Allez, merci à tous. Bye bye, à bientôt.